Verdon. C'est une des plus belles falaises calcaires, sinon la plus belle en Europe et peut-être dans le monde. Les premières années où je grimpais, c'est que j'étais agressé par ce canyon. Et petit à petit, tu t'y habitues, ça devient un peu une partie de toi. Et puis c'est un peu ton chez-toi, quoi. Tu y es bien. Beaucoup de falaises calcaires, mais elles sont toujours assez courtes. Et là, en plus de la difficulté technique, il y a 200 mètres entre les jambes. Et faire des équilibres précaires sur des petits gratons à 200 mètres du sol, ça n'a plus rien à voir. Pendant combien de temps tu vas grimper? Pendant combien de temps tu vas continuer à mener cette vie-là? Ben, je le ferai tant que je sens que je progresse. J'aimerais bien voir jusqu'où je peux aller. Ça peut paraître un peu fou, mais pour moi, vu que c'est un mode de vie, c'est pas qu'un sport, j'essaie d'en retirer le maximum de satisfaction et d'y aller beaucoup plus loin donc dans ce que je fais. La plupart du temps, on grimpe en cordée parce que la corde te permet une sécurité complète. Et en cas de vol, bon, bah, tu te fais pas mal. Bon, ben voilà, je pense que tout le monde se demande à quoi ça sert la corde. Pipé, t'es prêt? Ok, grand, vas-y. Ça va, Patrick? Oh, impeccable. Ça va? Ça va? Je suis un peu monté. Ouais. T'as volé de combien, là? Je sais pas, mais haut. Oh, hein. Tu t'es pas fait mal, hein, Patrick? À moi, aucun problème. Sans problème. C'était magnifique. Je te passe entre les jambes. Oh, allez, fiche. Ah non, tu es relu. Tu es relu. Tu es relu là où tu es. Hop. Oh putain, c'est dur. Toi, tu vas faire triste. Pour moi, dans l'escalade, c'est pas uniquement passer, c'est la manière dont je passe, parce que s'agripper sur des prises étirées, c'est relativement facile, mais le faire en donnant une impression de légèreté et de façon esthétique, je pense que c'est d'autant plus joli. Alors, c'est certain que les gens qui connaissent pas l'escalade ont l'impression que c'est facile parce qu'ils nous voient y passer en courant, alors qu'en fait, c'est des équilibres précaires, très précis sur de toutes petites prises, un enchaînement de mouvements qu'il faut pas louper. Thank you.
me plaît ici, vu la hauteur de la falaise, c'est en plus de la difficulté et la qualité des mouvements dans les longueurs. Quand tu arrives à un relais, au lieu de sortir sur un plateau, bon, c'est peut-être très beau, mais c'est fini. Là, tu es suspendu en plein vide. Et tu regardes grimper ton second, tu apprécies toute cette ambiance, et ça amplifie d'autant plus son escalade. JP ? Ouais ? Bon, je suis au relais, hein. Je suis pas encore assuré, Jean-Paul. Ah ouais. Voilà. Patrick ? Oui ? Tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment ? Ben là, j'arrive au relais. Alors, je m'auto-assure de façon à pour tomber. Oui. Et ensuite, je vais assurer Jean-Paul à la longueur, tu vois. Ça s'appelle l'ange en décomposition. C'est joli, non? Moi aussi, ouais. C'est super. C'est super parce que tu as une ambiance, t'as vu ce gaz avant ça. Combien tu as en dessous des pieds? Démoniaque. Ben là, je pense qu'il y a 250, 300, hein, 250 à peu près. Voilà, tu vois. Bon, Jean-Paul, deux secondes. Voilà, bien. Je vais récupérer le skiff. Je grimpe avec Patrick parce que j'ai une confiance absolue en lui. Patrick me dit on va faire un truc mais bon qui est réputé abominable voire impossible. Il me dit on y va demain, j'y vais. Elle est belle cette longueur. Hein. J'ai les avant-bras. Regarde-moi ça. À peine moins gros que des montgolfières. C'est dire. Attends, il est con. On se met en roue là. Là, ouais. Tu tiens une prise au-dessus. Prête à bille. Ouais. Bon, attends, bouge pas. Allez, il est temps que j'arrive. Attends. Monte un peu. Que je me mette au moins sur les pieds. Ouais. Tiens une vague. Fais-moi une dégaine. Attends. Fais-moi une dégaine, c'est prêt. Voilà. Mets là. Mets toi là au bonheur. Oh, aïe, 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 aïe. Vas-y, prends-toi. Quelle galère. Prends-toi, prends-toi. Attends, je me suis cassé les doigts là-bas dessous. Chose de bien. Ouais, j'en prends. Je te prends ta corde, elle est où? Ok, c'est bon pour moi. Prends la corde. C'est bon? Mon gilet? Vas-y, c'est ok. Je crois que je suis fort, je traverse par là. Ouais, ça part à droite. Départ ! Là, en somme, tu fais quoi, là, Jean-Paul? Tu démousquetonnes? Bah oui, là, tu vois, quand j'arrive à cet endroit-là, je démousquetonne. Ouais. Parce que bon, ça m'évitait de faire un pendu, alors il mousquetonne des points comme ça, puis lui, ça évite de tomber. D'accord. Et Patrick, en somme, ravale la corde. Voilà, ravale la corde, et j'espère qu'il la ravale bien. Allez, touche, cavale! Ah, c'est beau, là. Ouais. Là, tu vois, il y a des prises qu'on appelle farcies. C'est-à-dire ? Elles sont évasées vers le bas, tu vois. Elles sont pas crochetantes. C'est-à-dire que tu as la main qui... Alors quand tu envoies la main dessus, tu crois arriver sur une bonne prise et... Tu as des surprises. Ouais. Thank you.
Ça va? Eh ben. T'es pas trop tôt, hein, quand même. Bien voulu. Dis Jean-Paul. Ouais. Moi je me sens bien, j'ai envie d'aller sur un truc encore ce débat. On va se faire une petite couenne, un truc très dur. Ben, 7e saut. Tu ramèneras bien la corde, hein? Ouais. Allez. C'est bon. On y va. Allez. Super. Putain, c'est éclaté. Hein? Mais un truc long, ou... non? Non, c'est un truc qui n'est pas très long, qui doit faire 25-30 mètres, mais qui est très très dur. Ouais. Tu vois, très technique et très dur. D'accord. Allez, on y va? Allez. Bon, 6 dégaines. 2, 3, ouais, 6 dégaines. Là, j'étais en train de me demander, là. Celle-là, c'est fabuleux en adhérence. Et comme c'est des toutes petites prises, là, ouais. Je crois que je vais prendre les rigides, hein, au niveau de l'âme. Tu vois, l'adhérence ouais. est suffisante, et puis au niveau du gratonnage, je serai beaucoup plus sur les pieds. Ouais, tu as raison. Ouais. T'as la même, ça, ouais, c'est vraiment bien. Des petites, petites prises, c'est ouais. des têtes d'épingle. J'ai mes pieds nus, comme ça. Je prends juste une précision. Un contact. Ça, c'est la prise. Allez. L'escalade libre, c'est passer une voie avec uniquement les prises du rocher, les pitons ou les golos qui sont en place, tu te mousquetonnes dessus, tu passes ton mousqueton et ta corde, c'est en cas de sécurité mais elle ne t'aide pas. Et après tu as le libre en solo, c'est-à-dire tu peux le pratiquer soit tout seul en t'auto-assurant avec cette corde, soit en solo intégral. Pour moi c'est sans corde et surtout sans mousqueton, sans rien. Pas grimper? Qu'est-ce que je voulais faire? Oh, j'ai envie de faire encore un petit truc là. Tu m'amènes? Tu me. Ouais, oh, ouais. Dans un truc? Hein? Pas de paix. Merci. Ça me... On se finit comme ça. Oh, non, moi j'en peux plus là. Je suis daubé. Ok. Bon, bon, on reprend la caisse là, hein, le camion, ouais. Et puis on va faire autre chose. Ok? D'accord. Allez, ça baigne.
c'était une bonne journée. Hein. Ouais, ça va. Allez, ok. Putain, ça craint quand même. Mon JP, tu prends gros sa dent. Hein. Ouais. Parce okay. que les petites prises, je vais les brosser, ça sature magnésie. L'intérêt d'être propre, ok? Ouais, attends, calme-moi. Vas-y, c'est bon. T'as mon JP. Faut avoir les dents propres aussi avant. Allez, vas-y. Allez. Allez, dans le cul. Tu dis reste top, hein? Et ben voilà, il y a même les chaussures, tu vois. T'es bien, pieds nus et en solo. Ça c'est fort. C'est la première fois qu'il va le faire, celle-là. Ouais, c'est la première fois. Là, il m'impressionne.